traits de chimée. C'est parti. Sixième étape, on part des traits de chimée. Le soleil est un peu caché. Il fait un peu froid. Dans la descente de Passo Gardena, il fait 5 degrés, plutôt froid, je ne traîne pas. Vraiment dans le dur là, c'est un passage vraiment très difficile mentalement. Derrière moi, Bolzano que je viens de passer. Je pousse un vélo dans une route, sur une route. Et ça fait depuis le départ, j'ai eu des passages à 33%. Toujours sur une route.
Et là, je suis à 24. C'est affreux. Comme je ne peux plus me mettre en danseuse à cause du genou, j'ai un peu de mal à monter les pourcentages comme ça. J'en ai marre. C'est dégueulasse. Enfin, j'arrive pas à voir la beauté là. Avec ce que j'ai vu ce matin. Après un vrai passage dans le dur, là, à la fois mentalement, physiquement, je commence à aller un peu mieux. C'est assez magique. J'aurais pu me dire que je n'allais pas dans la bonne direction. Non ? Wow ! Ambiance sur cette journée de repos improvisée après une étape vraiment difficile hier. J'ai décidé de rester la journée ici, donc au-dessus de Merano, dans un refuge vraiment sympathique. Et l'ambiance est plutôt sympa, les jambes en l'air. Et puis il y a un des résidents qui joue de la musique. Les jambes de pomme. 30 km de vallée sur une piste cyclable, le régal. Les pommes sont mises à disposition ici. J'ai une petite baraque. Il y a des pommes, du jus de pomme, des verres. 20 centimes pour les 20 centilitres. T'as une boîte, t'as personne, tu mets tes 20 centimes, tu prends ton verre, tu te sers. Tu pourras en prendre 3 litres, te barrer, mais non. Ici, il y a un savoir-vivre qui est juste hallucinant. La pomme, 50 centimes. Tu prends la pomme dans le truc et tu te sers, tu mets ta petite pièce et c'est bon. Incroyable. Ciao! Dernier portage de la journée et premier portage de la journée aussi. J'en ai qu'un seul aujourd'hui. Fini par une piste assez pentue. À côté d'une très très belle cascade.
première ascension du jour. On pourrait être parti du refuge Sasfena. On fait la vallée de Louina. Passer par Squall. Remonter le col de Pass Castuenas.